ما مولانا وابا ما يا سيدي هبابا ويربح من الله على النبي ويا بابا ويا سيدي اري والله تعالى دنيا غرارة ويا نا دنيا غرارة ويا بابا سيدي كي بنادي وهي الولي اني كرميت الار هيا مولانا. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons avec nous l'écrivain Abdallah Baïda. Abdallah Baïda, tu es écrivain et enseignant de littérature à l'université Mohamed V Agdal de Rabat. Tu es un fin connaisseur des grands écrivains marocains de langue française, notamment d'Edmond Abdan El-Maleh, de Mohamed Lefta, de Khayreddin et autres. Tu as publié des nouvelles et des essais, dont Les voix de Khayreddin, pour une lecture des récits de l'enfant terrible en 2007. Tu as dirigé l'ouvrage Mohamed Lefta ou Le bonheur des mots en 2009. Tu as écrit au fil des livres chroniques de littérature marocaine en langue française, publié par La Croisée des Chemins en 2011. Et tu publies des chroniques littéraires audiovisuelles. Avec Le dernier salto, paru en 2014 chez Marsam, tu as fait le saut vers le roman. Et ce mois, tu publie un nouveau roman, Nom d'un chien, toujours chez Marsam, où le voyage d'un personnage se double d'une enquête culturelle sur les tensions dans la société marocaine et les fils entrecoupés de son identité plurielle et conflictuelle. Ma toute première question, après te souhaiter encore une fois la bienvenue, c'est quand et comment as-tu senti que le moment était venu d'écrire un roman? Est-ce que c'était pendant le processus de ton écriture habituelle ou c'était un dessin délibéré et tu t'es dit « je veux en faire un roman » Bien, merci Juan pour cette présentation. Merci également au public pour votre présence et pour ce moment de partage, parce que l'écriture, en fait, c'est un moment de solitude. Vous voyez, donc vous êtes chez vous, dans votre bureau, etc. Et vous avez devant vous les stylos, les pages blanches, etc. C'est un travail de solitude qui se fait. Et après, quand on a terminé ce travail, nous avons besoin de ces moments de rencontre. C'est enrichissant et parce que c'est un écho également de ce que ça a pu susciter comme questionnement, comme ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. Toutes les réactions en réalité sont bonnes. Et c'est dans des cadres comme celui-là que nous avons l'occasion de recevoir des réactions, quelles que soient les réactions. Aussi bien. Pas seulement pas des éloges, mais quelles que soient les réactions, elles sont toujours les bienvenues. Alors, pour répondre à ta question, Juan, quand est-ce que le moment était venu pour passer à la fiction? Ça, franchement, je l'ai découvert. Enfin, j'ai découvert la réponse lors d'une rencontre comme celle-ci, où quelqu'un comme toi, mais c'était une femme, qui a essayé d'analyser la chose en se basant sur les quelques textes que j'ai publiés et qui a fait le rapprochement avec le salto, montée, rotation, réception. Et elle a dit, la personne, et j'ai adopté sa vision des choses, et c'est qu'à un moment donné, il y a le premier moment qui était le point de repère pour moi, c'était la première publication, c'était donc en 2007, c'était Les voix de Khayreddin, le premier ouvrage, c'était Les voix de Khayreddin, et qui s'inscrit dans une approche à 100% académique, c'est une approche universitaire, etc., avec le jargon universitaire, avec toute la terminologie, avec une structure bien contraignante, ce qui est tout à fait normal, parce que ça s'inscrivait dans des études universitaires,
et parce que l'ouvrage Les Voix de Khayreddine, c'était à la base ma recherche pour le doctorat. Et donc ça, c'est presque le point de départ. C'est ce qu'a désigné mon ami qui m'avait présenté à la Villa des Arts de Casablanca comme étant le moment initial, la montée. Et après, il y a eu l'autre ouvrage qui est celui de Au fil des livres, Au fil des livres, chronique de littérature marocaine de langue française, et qui est un moment où j'avais pris un petit peu mes distances avec l'approche académique, où j'ai dialogué avec des textes, avec des œuvres, avec des romans qui étaient publiés entre 2000 et 2010, entre autres Les Étoiles de Sidi Moumen de Mahi Binbin, et également Lettre à moi-même de Edmond Amran El Maleh, ou des ouvrages de certains écrivains qui étaient beaucoup moins connus, et dont c'était par exemple à l'époque le premier texte, comme Samir El Ayachi qui avait écrit La vie rêvée de Mademoiselle S, qui est une Marocaine installée à Lille, ou d'autres textes comme La porte de la chance de Mustapha Bouygnen. Et donc c'était des textes avec lesquels j'ai adopté une autre approche, non pas l'approche universitaire, mais plutôt une approche de dialogue. C'était des textes, j'aime pas, voilà ce que j'aime, et c'était ça l'approche. Et par conséquent, j'avais adopté dans mon écriture, tout en parlant de ces œuvres, une approche ou une démarche un peu créative. Parfois, je disais, face à ce personnage, j'aurais adopté telle attitude qui n'est pas adoptée par l'écrivain. Donc, je m'étais déjà installé un peu dans celui qui veut écrire ou qui a l'intention de détourner les personnages de quelqu'un d'autre qui écrit. Et par conséquent, ça, c'était ce moment de rotation où j'étais entre l'approche universitaire et l'approche de création. Et bien sûr, la dernière étape, c'était ça, de passer de l'autre côté de la barrière et de créer moi-même un texte. Et ça a donné le dernier salto. Le motif du salto, il est présent en plus à plusieurs niveaux. Il y a les différents saltos que font les personnages, mais c'est aussi la propre écriture du roman qui est faite sur cette idée de, comme tu dis bien, un saut qui permet de saisir au vol le fugace et de fixer l'évanescent. Cette non-position défie la pesanteur et fait voir le monde à l'envers comme à l'endroit. Et il y a quand même un aspect qui est intéressant, c'est la tension entre le fragmentarisme des différentes histoires et en même temps l'unité même qui est propre au genre romanesque et qui quand même qui englobe l'ensemble. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette tension entre fragmentarisme et unité ? Fragmentarisme et unité, effectivement, parce que c'est un roman que j'ai voulu comme une sorte de puzzle. C'est un puzzle dans lequel il y a différentes situations qui reconstituent cette préoccupation ou cette image du salto, du saut. Comme tu l'as dit, c'est la non-position. Et dans la non-position, effectivement, il y a ce défi qui est lancé à n'importe qui voudrait écrire. Quand on veut capter quelque chose, une chose qui est figée par la photo ou par un autre moyen, quand la chose en elle-même ou l'objet qu'on veut capter est stable, c'est assez facile. Enfin, assez facile, ça dépend comment on le prend également et quelle profondeur on veut donner à notre image. Par contre, un objet qui est fuyant, qui n'est pas stable, là, ça pose problème.
ça pose problème dans le sens où il est on perpétue le mouvement. Oui, oui. Donc nous ne pouvons que tomber dans l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire l'erreur? Ça veut dire la non-fidélité à la chose qu'on veut capter. La non-fidélité à la chose qu'on veut capter, c'est à peu près la question de l'identité, par exemple. Je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de parler oui, de bien ça. Sûr. À la question de l'identité, on veut capter l'identité. On dit voilà ce que c'est que l'identité marocaine. Voilà ce que c'est fatalement faux. Qu'est-ce que ça veut dire fatalement faux? Parce que justement, l'identité est dans la non-position. La non-position parce que c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, qui passe d'un état à un autre. Au moment où je suis avec toi, au moment où je suis devant cette assemblée, il y a des choses qui se passent, qui enrichissent mon identité, et peut-être je renvoie des choses, je ne sais pas, et à mon public également, qui capte des choses, et ça fait travailler dans un sens ou dans un autre, et par conséquent, on est en train de reconstruire sa propre identité. Donc c'est un peu ça dans la non-position. Et c'est pour ça que j'ai adoré le fait de parler du salto, de prendre le salto comme motif pour le roman, comme prétexte pour le roman, parce qu'en réalité, c'est un défi. On ne peut pas le capter en réalité. On ne peut pas le capter parce que c'est en mouvement, c'est de trois positions. Et après, si je parle de la position de l'ascension, c'est une partie, mais je ne le capte pas, je parle d'une partie. Si je parle de la partie rotation, c'est également une autre partie. Si je parle de la partie réception, c'est une autre partie. Mais après, rassembler tout ça dans les trois, dans une image, ça c'est très difficile. Ça c'est très difficile à faire, mais en même temps, c'est un jeu, c'est on veut, c'est un jeu, c'est à la fois un plaisir, c'est un défi, c'est également le côté masochiste de l'écrivain, quoi, d'essayer d'attraper l'impossible, quoi. Voilà, donc c'est un peu dans cette démarche que j'inscris le dernier salto avec ses différents tableaux qui reproduisent différentes images du salto, à la fois le salto comme défi à la pesanteur, comme défi au quotidien, comme défi à la réalité, comme défi au banal pour aller un peu vers les hauteurs, et également comme rêve, parce que le salto c'est aussi un rêve d'aller ailleurs, dans un endroit, etc., de réaliser quelque chose. Et le mot rêve d'ailleurs est très fréquent dans le roman, a été répété plusieurs fois. C'est un peu dans ce sens que je m'inscris. Voilà. Avant, tu évoquais ton travail académique sur les voix, la pluralité de voix chez Khaledin. En fait, la profession de personnage qui effectivement chacun prend son envol ou essaie de prendre son envol. Il y a aussi dans ces scènes, je voudrais te poser la question, est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans certaines scènes, certains passages, notamment des passages d'enfance, je pourrais mentionner la rentrée ou le silence du grand-père? Je peux te répondre de manière directe sur ce que tu as cité. D'accord. C'est-à-dire la rentrée et le chapitre relatif au grand-père. Et je peux dire qu'il n'y a rien d'autobiographique là-dedans, parce que le chapitre de la rentrée, c'est consacré à quelqu'un qui découvre l'autre langue, une langue qu'il ne connaît pas, qui était face à un instituteur qui ne connaît pas sa propre langue. Donc il y a une sorte de quiproquo, l'un parle la langue arabe, l'enfant parle la langue amazigh. Et donc il y a une impossibilité de communication et de dialogue entre les deux. Ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas, l'autre situation, c'est la situation du grand-père.
la situation de grand-père, c'est un enfant qui est attaché à son grand-père et le grand-père, en phase finale de sa vie, va lui transmettre un petit peu l'art du récit. Ça n'a pas été mon cas parce que je n'ai jamais connu mon grand-père, ni paternel ni maternel. Ceci dit, le côté autobiographique n'est pas absent. N'est pas du tout absent parce que j'imagine, par exemple, pour la situation... Habib, par exemple, l'enquêteur, le chercheur qui est installé en France, il pourrait être un alter ego aussi de toi-même. Oui, ça c'est possible. Mais si on reste, par exemple, sur ces deux situations, celle des grands-pères et celle de l'enfant qui apprend une autre langue, c'est un peu notre situation également. Et là, pour les grands-parents, et surtout, c'est un chapitre et que beaucoup de lecteurs ont remarqué comme étant fort, etc., cette relation entre l'enfant et le grand-père, et que ça a attiré beaucoup d'attention. Donc, moi, j'explique tout simplement cela a posteriori, comme quoi il y a quelque chose de moi-même dans ce chapitre. C'est peut-être le fait d'avoir pas connu mes grands-parents qui m'a poussé à donner une image à ce grand-père qui est très forte, etc., et qui fait de lui quelqu'un de très présent dans le récit et avec une certaine force, comme si je voulais lui donner présence. Ouais. Je ne l'ai pas connu, donc je vais le créer. Concernant l'autre situation de la rentrée, de rapport à la langue, etc., c'est un peu ce que nous avons vécu également. Une fois qu'on soit un mazir, qu'on soit arabe, marocain, etc., une fois que nous passons de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire nous sommes en face d'un instituteur à l'école, c'est une autre langue, même si c'est l'arabe fosha, même si c'est l'arabe classique, etc., ça reste quand même, il y a une barrière, il y a une autre langue, il y a impossibilité ou difficulté de communication. Ça, c'est une situation qui s'impose. Moi, j'ai pris l'exemple de l'amazir en face à l'arabe classique ou standard. Mais c'est une situation qui est dans la vie que nous avons vécue, etc., et que j'avais emmagasiné dans ma mémoire pas mal de situations qui répondent à cela et pas mal de situations qui illustrent ce fait. Voilà, donc c'est pour cela que je l'ai repris. Alors, en fait, ta question, Juan, est très intéressante. Quelle est la part de l'autobiographie et la part de la fiction? Je pense que personne ne peut répondre à cette question. Même si quelqu'un te dit qu'il est en train d'écrire une autobiographie, ce n'est jamais une autobiographie. Parce qu'en fait, c'est une reconstitution. Et à partir du moment où c'est une reconstitution de faits vécus, par exemple, dans le cas de l'autobiographie, c'est une reconstitution. Ce n'est pas la reconstitution, mais c'est une reconstitution, donc c'est un montage, c'est une façon de présenter les choses. Et donc, ça ne peut pas être la réalité. Et pour tout dire... Je ne vais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Je m'en fous de la réalité. Voilà. Oui, oui. Ce n'est pas la réalité qui m'intéresse dans la fiction, dans la littérature, dans l'écriture, etc. Ce n'est pas la réalité qui m'intéresse. C'est reconstituer moi-même un univers qui serait un univers romanesque, tout simplement, qui a sa propre logique, qui a qui est une structure. Une structure, ça veut dire qu'il y a ses composantes, et entre ces composantes, il y a des relations bien particulières, etc., qui répondent non pas à la logique de la réalité, mais qui répondent à
la logique de cet univers romanesque. Une mention aussi à ce grand maître du récit autobiographique qui n'est pas autobiographique, que tu connais très bien, Edmond Rameau-Mallet. Edmond apparaît comme un personnage dans l'au-delà, mais il n'y a pas que lui comme personnage littéraire. Nous croisons Imrul Qais, le grand poète de la littérature arabe, Abu Nawas, le grand poète érotique de la littérature arabe, Mohamed Lefta, avec un nom à peine varié, Fouad Larbi, ou encore Jorge Semprún, avec un passage très beau sur justement cette question de la relation entre réalité et fiction. Mais ma question voudrait être plutôt, dans la mesure où tu viens aussi d'un parcours de critique littéraire, est-ce que dans ce roman aussi, tu te permets le jeu, tu évoquais encore la question ludique de l'écriture, de faire de la critique littéraire par d'autres moyens ? Non, c'est pas le but, c'est pas l'objectif de faire de la critique littéraire quand on écrit un roman. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais bien sûr, il y a des choses qui nous collent à la peau et qui sont là et qui s'imposent par elles-mêmes parce qu'ils nous ont marqués, parce qu'ils ont marqué notre parcours et parce qu'ils sont dans notre univers, parce qu'ils sont dans notre imaginaire. C'est pour cela qu'il ne faut pas résister. Pour tout te dire, il y a deux moments dans mon projet d'écriture. Il y a un premier moment, où je laisse libre cours à l'écriture. Voilà, il y a des choses qui arrivent, je les note, etc. Et ça passe de manière spontanée. Voilà, comme ça, sans frein, sans contrôle, sans sélection, sans dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ça c'est ce qu'on appelle le premier jet. Mais ça c'est pas, pour moi, c'est pas de la littérature. Ce n'est pas de l'écriture, parce qu'il y a l'autre moment qui est celui de retravailler tout ça et de lui donner une forme, de lui donner une figure, de lui donner une consistance et de le structurer, le restructurer, etc., de lui donner un format. Et c'est dans cette phase qu'on peut évacuer certaines choses, etc. Mais il y a, par exemple, des choses. Moi, je suis un peu méfiant vis-à-vis de la réalité. Je veux pas, franchement, je veux pas que la réalité s'impose dans mes textes. Je veux pas faire un travail documentaire. Voilà. Les textes de fiction qui sont proches du documentaire, je ne les aime pas. Donc, j'essaie d'éviter ça. Mais il y a des situations dans notre réalité marocaine, personnelle parfois, qui s'imposent, auxquelles on ne peut pas échapper, et donc qui s'infiltrent dans cette phase, dans cette première phase qui est celle de la spontanéité, qui est celle de ce moment où je laisse libre cours à l'écriture, et qui sont là, et qui se retrouvent devant moi. Je vais vous donner un exemple. Et il y a la question de l'intégrisme dans le roman, le dernier salto. Et franchement, j'ai jamais voulu écrire à propos de ce sujet, sur le mode de la fiction. Je précise, sur le mode de la fiction, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas exactement, mais parce que je trouve que c'est un sujet qui est celui d'un débat de la cité, qui est celui d'un débat peut-être avec des arguments et contre-arguments, et qui est celui d'un débat qui doit relever d'un autre niveau qui est autre que celui de la fiction. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, par exemple, ce que j'avais écrit déjà au fil des livres, à propos des romans de Mahi Binbin,
qui est Les étoiles de Sidi Moumen, j'ai trouvé dommage, et je l'ai écrit dans le livre, que beaucoup de comptes rendus de ce roman, ou bien de commentaires sur ce roman de Mahi Binbi, avaient focalisé sur le fait de comment se fabriquent les kamikazes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient kamikaze? Qu'est-ce qui fait qu'on crée des intégristes? Quelles sont les conditions dans lesquelles vivent? Non. Alors que le roman lui-même avait un aspect esthétique, avait un aspect littéraire qui est au-delà de ça. Et personne, parce que j'avais sélectionné tous les articles, j'avais lu tous les articles qui étaient parus en France à l'époque, dans différents magazines, dans différentes revues, etc. Et à chaque fois, on ne parle pas de roman. On parle de la réalité. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, il ne faut pas écrire à propos de ce sujet-là, parce que ça va détourner le regard vers un sujet de société. Et pourtant, il apparaît quand même. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça. À un moment, elle s'est imposée. Et il y a des sujets auxquels nous ne pouvons pas nous échapper, parce que j'étais ici à Marrakech au moment justement le lendemain des attentats ici, et que j'étais en train d'écrire dans une maison à la Médina. Chez Habib Samarkandi, en fait, ça s'est imposé, c'est ça. Et par conséquent, je pense aussi, par souci d'authenticité, quand un sujet s'impose, il ne faut pas l'évacuer. Il faut le laisser parce qu'il est là, parce qu'il s'impose, parce qu'il est vrai. Et quand un sujet est authentique, là, il y a quand même quelque chose que le lecteur sent, parce que on est authentique, parce qu'on est franc vis-à-vis du lecteur, et parce qu'on parle aussi des sujets qui nous touchent le plus, de manière beaucoup plus authentique que si on s'impose, par exemple, ou si on écrit sur commande. Voilà, si par exemple on nous demande d'écrire à propos d'un sujet. On peut toujours faire des recherches, voir toutes les subtilités, tous les détails d'un sujet, mais après, si on écrit à ce propos, à mon avis, ça peut être techniquement parfait, mais émotionnellement, il doit toujours y avoir quelque chose qui manque. Je voudrais qu'on ait le temps que tu puisses évoquer ce qui est ton nouveau fils, ton nouveau roman, Nom d'un chien. Où là, pour le coup, je n'ai pas lu le roman, mais ce que je peux savoir, c'est que tous les complexes liés au nom que l'on porte ont une place fondamentale. Et tu évoquais tout à l'heure quelque chose d'évident. Ce n'est pas la même chose de passer aux douanes en s'appelant Juan, qu'en s'appelant Abdallah ou en s'appelant Michael. Et beaucoup de psychanalystes ont été obsédés par ces questions, Lacan et autres, ont été obsédés par ces questions de ce rapport que l'on a avec notre propre nom. Peux-tu d'abord parler de ton dernier roman, Nom d'un chien? Nom d'un chien. Nom d'un chien. Alors, j'aurais aimé, c'était d'ailleurs presque, j'y croyais presque à un moment donné que je pouvais avoir des exemplaires et faire une avant-première ici, mais jusqu'à hier, l'éditeur m'a appelé pour me dire que malheureusement les exemplaires ne sont pas encore prêts pour les présenter pour cette rencontre. Mais comme tu viens de le dire, Juan, c'est effectivement Nom d'un chien, pour dévoiler un petit peu le sujet. C'est quelqu'un, le personnage principal s'appelle Idriss ibn Kalb. Et ce nom, porter un nom comme ça, Ibn Kalb, c'est ce mot en fait qui va constituer
le noyau du roman, et c'est autour de ce mot Ibn Kelb, fils de chien, que va se construire le roman. Dans une société comme la nôtre, où le chien a une image, des images, des représentations différentes, et une représentation religieuse aussi, qui est souvent liée à l'impureté de ce chien, font que ce personnage d'Driss, au moment où, au début du roman, va avoir, attend un fils, attend un enfant, sa grossesse est confirmée. Je vais vous lire la première page, une page et demie, là, je l'ai imprimée. La question se pose pour lui, transmettre cet héritage, transmettre son nom à son fils. Est-ce possible? Est-ce faisable? Que dois-je faire? L'accepter aussi, le faire subir à mon enfant qui s'appellera X Ibn Kelb. Moi, je suis Idriss Ibn Kelb. Lui, ça sera encore ça. Alors, ce qu'il va faire, en fait, parce que ça, c'est dans la quatrième de couverture, donc je le partage avec vous. Ce qu'il va faire, bon, il va essayer tout simplement de changer de nom de famille. Et dans la bureaucratie, les administrations, on va lui demander de prouver que Ibn Kelb porte atteinte. Et là commence l'enquête de Driss, pour aller voir un petit peu les représentations qu'on fait du chien. Et Driss est un informaticien en même temps, donc par la nature de son travail, il est amené à se déplacer. Et par conséquent, c'est un roman qui se passe à Rabat, dans la région de Marrakech. Mais également, c'est en trois parties. Toute la deuxième partie va se passer à Paris, avec des moments forts comme le cimetière des chiens à Asnières, comme le musée d'Orsay où il y avait une expo consacrée à la race canine. Et la dernière partie, c'est le retour, qui sera à la fois Rabat, Tanger et Madrid. Voilà. Donc grosso modo, c'est un peu ça. Je ne vais pas dévoiler tous les détails, mais c'est grosso modo, c'est ça la quête de ce personnage. À travers les mythes et les représentations. Voilà, c'est un peu de voir et d'interroger cette représentation que nous faisons, que notre société, que la société de l'autre côté de la Méditerranée également, se fait du chien. Est-ce que lorsqu'on appelle quelqu'un Ibn Kelb, est-ce que c'est forcément péjoratif? Est-ce que c'est forcément une insulte? Le chien dans l'art également, dans la peinture, on le découvrait, etc. Là, je partage avec vous cette première page du roman. Alors, voilà, donc c'est la première page. Enfin, la bonne nouvelle se confirme. Driss Ibn Kelb attend un héritier. Il n'y a plus de doute. L'étape critique est maintenant dépassée. Lui et sa femme viennent de sortir du cabinet du gynécologue. Ils sont très heureux. Le médecin est catégorique. Madame est bien enceinte et sa grossesse est tout à fait normale. Il faut dire qu'ils avaient fait plusieurs tentatives infructueuses pour avoir un bébé. La jubilation est plus manifeste sur Ibn Kelb. Son deuxième rêve est en train de se réaliser, avoir un garçon. Sa femme préfère les filles. Lui, cela fait des années qu'il pense sans cesse à un héritier, un mâle à qui transmettre
beaucoup de choses. Il ignore les détails de cet hypothétique héritage, mais le projet nébuleux et la détermination sont là. Arrivée chez eux, Linda, c'est sa femme, Linda Idriss, laisse exploser leur joie. De nouveau, les projets fusent. Elles avaient reporté par prudence l'aménagement de la chambre de l'enfant. Maintenant, il va falloir s'y mettre. Les couleurs, les meubles, les jouets, les senteurs, l'éclairage, tout. Linda adresse une petite prière à Allah, le remerciant pour sa générosité et sa bienveillance. Driss griffonne quelques notes dans un petit carnet pour ne pas oublier les décisions prises et les courses à faire. Linda pose la question du prénom de l'enfant. Il vaut mieux le choisir dès à présent pour ne pas faire les choses dans la précipitation. C'est un moment que redoutait Ibn Kalb. Ce nom de famille lui pèse déjà trop et l'écrase littéralement car il signifie fils de chien. Il ne comprend toujours pas comment ses ancêtres ont accepté de porter un tel nom. Plusieurs anecdotes expliquent son origine, mais aucune ne tient debout, à son avis. Ce ne sont que des mythes oiseaux qui se mettent en place après coup. Voilà. Merci. Mohamed Lefta. Alors, tu as dit des réponses brèves. Oui. Ouais, c'est pas possible. Tu as écrit un livre, La joie de l'écriture. Non, Le bonheur des mots, pardon. Le bonheur des mots, c'est un collectif que j'avais dirigé en 2009. Mais Mohamed Lefta, c'est vraiment une figure, ce que j'appellerais une sorte d'étoile filante dans le paysage littéraire marocain, parce qu'il a. Il était visible concrètement pendant 2-3 ans, 2006-2008. Il est mort en 2008. 2006, c'est là où la maison d'édition La Différence avait réédité ses ouvrages. Et il est mort en 2008, mais c'est quelqu'un que je considère comme une des plus grandes figures de la littérature marocaine. C'est un grand artiste de l'écriture, qui a des univers fabuleux, magiques, extraordinaires et tout ce qu'on veut. Malheureusement, il n'est pas très connu au Maroc pour le moment, mais c'est une œuvre. Et aussi, c'était quelqu'un de très discret. Moi, je l'ai connu un petit peu. Ici au Maroc, mais il était installé au Caire depuis 2000 jusqu'à sa mort en 2008. Entre-temps, il a fait 2-3 voyages au Maroc. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite 2 fois au Caire. Mais son œuvre, le dernier, c'est Le Dernier Combat du Capitaine Ahmed, qui a eu le prix de la Mamounia ici, mais également L'Enfant de Marbre, Demoiselle de Numidique, que je fais un clin d'œil ici, mais aussi Une Chute Infinie, par exemple, ça son roman, Une Chute Infinie, c'est un petit roman de quelques pages, mais c'est fabuleux, il n'y a rien, il n'y a pas de gras, il n'y a que du concentré, que de pur Lefta, voilà. Edmond Amran El-Maler. C'est quoi? C'est le sage malicieux, en quelque sorte, Edmond El-Maler. Quand je pense à lui, c'est toujours un petit sourire au coin caché, etc., qui te pousse à tes limites, à extraire de toi ce que tu as au fond de toi, c'est-à-dire qu'il ne te dicte rien, mais qui te pousse vers
à explorer ce que tu as au fond de toi. Mais là aussi, moi, Ibrahim Melech, un peu comme l'Iftah, c'est un des grands de ce Maroc dans un autre registre. Et comme par hasard, en fait, Edmond Amran al-Malah était le prof de l'Iftah, Mohamed l'Iftah à Casablanca. Prof de philosophie, oui. Voilà, et prof de philosophie. Et c'était également lui qui était à l'origine de la publication de son premier roman, du premier roman de l'Iftah. Parce qu'il avait, Demoiselle de Numidie, il avait traîné un peu partout. Et à un moment donné, là, il part le voir à Paris. C'était début des années 90, en 90-91. Et il va lui remettre le manuscrit. Il va le donner, l'Iftah va le donner à Edmond, à Amran el-Malah. Il le prend, et il prend le temps de le lire. Et après, il se donne rendez-vous. Et ça, c'est l'Iftah qui m'a raconté l'histoire. Edmond avait complètement, quand je lui ai raconté ça, il avait oublié, mais était imprégné par cette reconnaissance. Et Edmond va le donner le manuscrit après sa lecture à l'Iftah. Et il va prononcer un mot qui a marqué l'Iftah. Et qui est peut-être un petit peu un catalyseur, parce que l'Iftah va le garder dans un petit coin magique de sa mémoire. Il va, je dirais presque, y puiser du courage de temps en temps. Ce propos d'Edmond, laconique, peu de mots, ça n'a pas besoin de tout un discours. Il lui a dit: tiens, c'est du feu, voilà. Et effectivement, ça a marqué toute la production de l'Iftah, s'était inscrite ou a tenté de rester fidèle à cette image tracée par le maître. Mohamed Khairuddin. Alors, Khairuddin, l'enfant terrible, voilà, comme ça qu'on l'appelle, moi. Khairuddin, c'est l'enfant terrible. Disons que personnellement, j'ai à peu près deux aventures différentes avec Khairuddin, dans le sens où c'était un objet d'étude académique. Et ça, c'est pas très, très intéressant. Voilà, c'est. Dans le sens où j'ai travaillé sur son œuvre, etc. Mais en même temps, il y a ce Khairuddin révolté, il y a ce Khairuddin qu'en dehors des remparts de l'université, de l'académique, etc., qui est très intéressant. Mais ce que franchement je voudrais dire à propos de Khairuddin, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler tout récemment à deux occasions différentes avec quelqu'un qui va faire un documentaire sur Khairuddin et quelqu'un d'autre qui est en train de faire des recherches. C'est que Khairuddin, nous sommes en train de, enfin nous sommes, nous, je ne sais pas qui c'est nous, mais il y a un problème avec la mémoire de Khairuddin, c'est que le fait de l'avoir programmé dans les lycées marocains, on est en train de l'assassiner une autre fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tout simplement, ce qu'a programmé l'institution, c'est un roman de Khairuddin, posthume d'ailleurs, et qui s'intitule « Elle était une fois un vieux couple heureux », ne représente absolument pas l'œuvre et la richesse de l'œuvre de Mohamed Khairuddin. Et par conséquent, et c'est une œuvre qu'il ne faut pas renier, c'est l'œuvre de Khairuddin. Mais rester sur cette œuvre, enfermer Khairuddin dans cette œuvre, c'est l'assassiner. C'est de côté tout le voilà. Et dans ce sens,
moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que la programmation de cette œuvre n'a pas été accompagnée de tout ce qu'il faut comme appareil pédagogique, didactique, qu'il faut l'accompagner, qu'il faut mettre en place pour mieux comprendre. Et par conséquent, et comme c'est programmé, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, hein. Ça passe vite, plus d'une dizaine d'années, et donc toute une génération ne connaît de Reading qu'il était une fois un vieux couple heureux, un gabataire qui s'installe là-haut, du côté de Tafraut, qui est nostalgique un petit peu, etc. Mais on ne connaît pas le Déterreur, on ne connaît pas Moiler, on ne connaît pas Semarok, on ne connaît pas Corps Négatif, on ne connaît pas Résurrection des Fleurs Sauvages, etc. Toute une œuvre qui est riche, qui est importante, qui est intéressante, et c'est là qu'il faut découvrir, il ne faut pas amputer. Il ne faut pas amputer une œuvre, c'est un tout. Ahmed Bouanani. Ahmed Bouanani, alors, c'est surtout l'hôpital, moi, qui m'a intéressé. D'abord, c'est l'hôpital, c'est son roman L'Hôpital, qui a été un peu mis à l'écart pendant longtemps, mais heureusement, il a été réédité à la fois chez Deka, dans oui. l'Équitable, ici dans le Mamoun, et chez Verdier, en France. Donc ça a permis de le ressusciter un petit peu. C'est une écriture très forte, très profonde. C'est quelqu'un qui écrit en profondeur, pas dans la surface. Et en même temps, ce qui est intéressant également à dire à propos de Ahmed Bouanani, c'est un peu sur le plan personnel, carrément. C'est sur le plan personnel, son choix de se mettre un petit peu à l'écart de tout ça et de vivre un peu à l'écart et de refuser les feux, de refuser le projecteur, etc. Et ça, c'est fort. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a maintenant une génération autre qui le reconnaît, qui est en train de mettre en avant son œuvre, y compris Touda, sa fille, Touda Bouanani, qui fait beaucoup de choses pour la mémoire de son père, et aussi à côté de Touda. Bon, Touda, c'est pour des raisons peut-être personnelles, mais il y a tout un groupe d'intellectuels qui sont convaincus par cette production et qui luttent pour la mettre en avant. Et ça, c'est très important quand on voit ça dans la société marocaine, quelqu'un qui n'est plus là. Il ne cite pas pour des raisons, Touda n'a rien à apporter à ces intellectuels-là. Il n'y a pas d'intérêt autre que le fait de mettre en valeur une œuvre qui le mérite. Mohamed Nedali. Alors, Mohamed Nedali, il n'est pas là. Donc je peux dire du mal de lui. Non, je plaisante. Mohamed Nedali, c'est une des voix intéressantes dans le paysage littéraire marocain. Et puis, ce qui est bien lui aussi, c'est... On ne peut pas dire de mal de Mohamed Nedali, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un de très... Enfin bon, je te laisse parler. Pardon. Oui, est-ce qu'on ne peut pas dire du mal de Nedali? Je vais essayer de dire du mal de Nedali. Je vais dire que c'est quelqu'un de classique dans son écriture. Par exemple, ça, c'est... Bon, c'est, on n'a pas la même approche de l'écriture, mais c'est quelqu'un de classique dans son écriture, mais qui est une écriture importante, intéressante dans le paysage, et aussi qui fait découvrir un aspect qui est très intéressant, qui est celui de cette région, par exemple, de Marrakech. Là, je pense à des romans comme son premier, qui était fracassant, le premier Morceau de choix. C'était une bombe dans le paysage littéraire marocain, et Morceau de choix, aussi bien par son côté un peu arrière-plan du Maroc, mais aussi par un côté grivois. Voilà, un
côté où il y a des choses qui se passent, qui étaient très cachées, et qu'il dévoile, mais avec beaucoup d'humour. C'est ce qui est intéressant également dans l'écriture de Nedali. J'aime beaucoup Morceau de choix, j'aime beaucoup Grâce à Jean de La Fontaine aussi, qui nous raconte tout ce... ces péripéties d'un prof affecté dans une montagne, etc. A également traité un sujet pareil. L'école voilà, des sables. Et ça, c'est très intéressant. Il faut avoir des textes comme ça, parce que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre mémoire. Et donc, pour moi, des initiatives comme ça sont intéressantes. Un maître à penser, un maître... ni Dieu, ni maître. Très bien, ça me va. Un tableau ? Pour le moment, celui qui me travaille le plus, c'est Goya, le chien de Goya, parce que c'est le tableau que j'ai choisi, enfin, avec la complicité de mon éditeur, pour faire la couverture du roman Nom d'un chien. En fait, c'était pas mon choix, c'était la proposition de l'éditeur, mais après, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses dans ce tableau, un certain mystère, etc. Parce qu'on le voit dans ce tableau de chien de Goya, que un bout de tête et puis un horizon ouvert, etc. Et le chien, on ne sait pas s'il est englouti dans le sable, s'il aspire vers autre chose, s'il va en sortir ou pas. Donc il y a un ensemble de points d'interrogation qui jaillissent dans ce tableau et c'est formidable. Un chef-d'œuvre de Goya, oui. Voilà. Il est presque abstrait, en fait. Oui, tout à fait. Un roman. Je suis polygame. Dans le sens où j'aime beaucoup de romans. Je ne peux pas choisir un roman et sacrifier tous les autres. Il y a des images qui passent, j'en capte une, La vie devant soi de Romain Gary, par exemple. La vie devant soi de Romain Gary, c'est un roman que je trouve fabuleux parce que c'est écrit dans le langage d'un enfant et en même temps c'est très profond, ça te tire vers des horizons, ça ouvre des horizons. Moi je pense qu'un bon roman, c'est celui qui offre une bonne place au lecteur. Bonne place au lecteur, c'est-à-dire qu'il le laisse travailler également, qu'il lui ouvre des horizons, qu'il le laisse faire son travail. Je ne veux pas tout mâcher tout le travail au lecteur. Je participe avec lui, ou on fait le travail ensemble, on fait le chemin de la lecture, on le fait ensemble, c'est-à-dire à la fois lui avec son imaginaire, avec son background, avec ses lectures, avec sa propre vie, etc. Et il apporte beaucoup de choses, le lecteur. Et donc, il faut à chaque fois, dans un roman, c'est le genre de roman que j'aime, moi, c'est des romans où je trouve une place pour mettre ma contribution, pour participer, pour accompagner les personnages, etc., vers d'autres horizons, pour évoluer. C'est pour cela, d'ailleurs, dans Le Dernier Salto, comme dans Nom d'un chien, j'ai effacé beaucoup de descriptions que j'avais laissées dans le premier jet, mais après, je les efface, ça ne sert à rien. Voilà, il suffit de dire que je suis dans un tel endroit qui est mystérieux, et je laisse le mystérieux, au lieu de l'expliquer, je laisse le lecteur y mettre ce qu'il veut. Parce que, au lieu de lui dire mystérieux, parce qu'on entend des bruits, parce que c'est sombre, parce que c'est cela, etc. Non, ça c'est mystérieux pour moi. Mais le mystère pour le lecteur, il peut le construire par soi-même. Voilà. Un film, tu sais, j'oublie souvent les noms de films, les titres du film, les noms des réalisateurs et tout ça, je les oublie.
Mais il y a un film qui est resté collé à ma mémoire, parce que je l'ai vu plusieurs fois, et parce que j'étais dans une situation où je ne pouvais pas ne pas le voir. Je ne pouvais pas ne pas le voir. En fait, il y a 15, il y a presque 20 ans, hein. Ouais, le temps passe vite, il y a presque 20 ans, j'avais eu un accident. Ici, un accident de circulation dans la région de Marrakech. Je descendais du Toubkal et après j'ai eu un accident et j'étais alité pendant 3 mois. 3 mois, je ne pouvais pas bouger, etc. Donc, je regardais pas mal de films et là je suis tombé sur un film. C'était en 96 que j'ai beaucoup adoré. Donc là, quand tu dis un film, immédiatement j'ai pensé à lui. Peut-être il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé, mais là je voudrais parler de celui-là. C'est Forrest Gump. Hein? Forrest Gump, où joue Tom Hanks. Oui. Donc, comme j'étais alité, ce personnage du film qui lutte, qui espère, qui malgré toutes les difficultés, etc., dans le film, et je le voyais, je le revois, etc., donc c'est resté depuis, là, voilà, ça fait 20 ans, voilà, mais c'est toujours d'actualité dans ma tête, et c'est un des films que j'adore, Bon, peut-être tout le monde a déjà vu et revu Forrest Gump, mais c'est un film qui donne le courage. Parce que j'étais vraiment dans une situation, être alité pendant 3 mois et ne pas être sûr qu'on va marcher après. Voilà. Et, parce que c'est un accident, j'étais touché à la colonne vertébrale et donc je ne savais pas si... ça va après, etc. Et donc un film comme ça, on dit « Oui, oui, tu vas y arriver. Go, 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 dans le film. » Enfin, une chanson. Alors, une chanson, je dirais plutôt un style de musique. J'aime beaucoup le jazz. Plus précisément, par exemple, un morceau que j'écoute dans ma tête, c'est Miles Davis, l'ascenseur pour l'échafaud. Merci beaucoup. Alors...